Chut. Attention, je vais regarder si Athéna a fait une pause. C'est parti. 3, 2, 1. J'espère qu'elle a pas la tablette. Allô Athéna, coucou Calice. Coucou. Comment ça va aujourd'hui les filles? Ça va. Bon, j'espère que tout le monde va bien derrière son écran. C'est un petit pouce en l'air, partagez, commentez, abonnez-vous. Souvenez-vous, il y a quelques jours, il y a même quelques minutes pour nous, eh bien, vous aviez fait un challenge de construire une cabane en couverture. Allez voir cette vidéo, comment vous avez fait, c'est très rigolo. Comme ça, vous pourrez faire chez vous la même chose. Eh bien là, vous allez relever le challenge de faire 24 heures dans vos cabanes respectives. Allez, là, on est le soir, c'est l'heure du dîner. Il est 19h et d'accord, des patatas. Eh bien, c'est parti, rejoignez vos cabanes maintenant. Allez-y. Allez, Calice. Par où on entre? Par là. Dans ton tipi. Top, top, voilà. Et là, ça va être l'heure du dîner directement. Je vais voir du côté d'Athéna. Athéna, ça y est, elle, c'est par l'échelle. Donc, oui, mais si on va commencer par le dîner, il faudra que tu rejoignes la partie supérieure. Tu nous avais montré ça pour manger sur ta table ici. Donc, bah, moi, je suis préparé à manger. J'ai le droit de ramasser les peluches qui sont tombées. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Puis si tu as besoin de quelque chose, tu me demandes. Voilà, ce qu'en fait, ce que je n'ai pas dit, c'est que pendant 24 heures, c'est vous qui allez choisir vos activités. Ouais, donc voilà, ça peut être de la switch, ça peut être de la lecture, ça peut être tout ce que vous voulez, d'accord? Ok. Allez, entendu, Calice, c'est formidable. Bon, allez, je vous prépare à dîner, et puis vous me direz ce que vous avez fait pendant que je prépare à manger comme activité, d'accord? Ok. Allez, à tout de suite, elle est magnifique, hein. Allez voir la cabane, on a fait une visite complète style Stéphane Plaza dans la vidéo précédente. Donc, elle est belle, elle est magnifique, avec une sortie de secours, là. Armement des toboggans. Go, à table. Est-ce taillé? À table! Hein? Hop! Ah bah ça y est, t'es là. Petit hot dog, petit coca et quatre petits Pringles, voilà. Oh, la pure, oh, y'a pas de sauce? Si, j'ai mis un petit peu de ketchup, mais j'avais pas trop mis parce que je veux pas que ça coule. Bon appétit! Manche-moi que c'est chaud le hot dog. Allez, je vais m'occuper de Calice. À table! Oh, je vais te le donner par là, tiens. Un bon hot dog. Avec quelques petits Pringles et un coca. Yam. Tu vas manger où, sur la table? Sur le lit? Sur la table. Ok. T'as fait quoi en attendant? Ah bah t'as lu la BD. C'est bien? Ouais, c'est émouvant. Hein. Bah bon app, moi aussi je vais me faire à manger. Je vais me faire hot dog aussi. Alors, Athéna, en dessert, quand tu auras fini ton petit hot dog, tu préfères un yop à la vanille ou à la fraise? La vanille, s'il te plaît. Eh ben ça tombe bien, j'en ai un. J'ai aussi à la fraise. Ça va? T'es bien? Confort? Good. Allez. À Calice. Calice, tu préfères un yop à la vanille ou à la fraise? Fraise. Ah bah ça tombe bien. Oui. Bon, je vais les deux. Hein, mais un c'est... petit yop à la fraise. Bon, bah bon app, bonne fin d'appétit. Merci. Et à tout à l'heure. Et voilà, c'est l'heure de se coucher. J'éteins la lumière. Donc je précise, vous avez le droit de sortir de votre cabane, couverture, pour aller vous brosser les dents. Voilà ce que tu as fait. Athéna, ton pyjama. Elle était déjà l'heure, toi aussi. Oui. Prête à dormir. Alors, oui. Il est tard, il est 23h. Donc là, tu as fait quoi? Tu as lu ta BD, tu as lu un manga, Look Back, tu m'as conseillé de le lire. Ouais. Ok, t'as aimé? Ouais. Et là, tu joues à... un jeu. Ah, c'est les fourmis? Oui, c'est un jeu sur les fourmis. Athéna aussi, elle a joué à ça. On avait fait une petite vidéo sur Calice Athéna Gaming. Et toi aussi, tu joues à ça. C'est bien, hein? Ouais. Bon. Bon, bah, je te souhaite une bonne nuit. Tiens, je vais éteindre là-bas. Voilà, je vais aller voir Athéna, bien sûr. Hop, fais un gros dodo. Calice, on se retrouve demain. À demain. Fais de beaux rêves. Moi aussi. Et du côté de chez Athéna, tu t'es lavé les dents aussi, hein? Tu as le droit de sortir pour te laver les dents, bien sûr. Prête à dormir, je vais éteindre également les lumières. Voilà pour celle-ci. La lumière, hop là, voilà. Et puis je te laisserai éteindre la grosse guirlande. J'ai les ananas aussi. Voilà l'ananas. Voilà. Et dodo, d'accord, hein. Je reviendrai en 5 minutes quand même pour voir si tu as bien éteint ta petite switch. Bonne nuit Athéna. Trop bien, laissez un grand pouce en l'air si vous aimez le cocooning café Athéna là. C'est magnifique, franchement, t'étais presque à deux doigts de gagner là. Hein. Ah, vraiment, magnifique ta cabane. Génial. Bon, alors on se retrouve demain pour la suite du challenge.
Plein de bisous, bonne nuit, et là on a envie de se dire le lendemain. Mm-hmm. Le lendemain. Le lendemain. Le lendemain. Et ça y est, nous sommes le lendemain matin et j'ai entendu du bruit déjà dans la chambre de Calice. On va aller voir ça. Je lui ai préparé un petit verre de Lolo pour le petit-déj. Parce qu'elle mange pas beaucoup le matin. Il verrait se rouvrir. Coucou. J'ai entendu du bruit, d'accord, t'es sur le téléphone. On voit rien, c'est pas grave. Voilà. Ah oui. Coucou. Coucou. Bien dormi? Oui. Alors, je t'ai apporté un petit mug de Lolo. Regardez, je le montre. Je pense qu'il va, il va te faire plaisir, ce petit mug. Il va te faire plaisir. Regarde. Oui. Tu le découvres, hein. C'est My Hero Academia. Ouais, My Hero Academia. Ouais, bah pareil, vous pouvez le trouver avec le lien en description sur Tostadora. C'est Calice qui l'a choisi, mais elle l'avait pas encore vu. Ah, il te plaît? Oui. Ok, bon, bah, je te laisse te réveiller, tranquillou. Et puis, bon, on se retrouve tout à l'heure. Mm-hmm. Athéna fait encore dodo, donc pour ça, j'allume pas toutes les lumières à fond. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, j'ai cru entendre du bruit chez Athéna. Coucou Athéna. Coucou. Comment ça va? Bien. Tu as bien dormi? Bien. Oui. Et oui, t'as fait un gros dodo. Calice s'est déjà réveillée depuis un petit moment. Elle a pris son petit verre de lait. Est-ce que tu veux prendre un petit déj? Oui. Tu veux quoi? Du Lolo avec des céréales. D'accord, okay. Des céréales avec du lait et j'allume les lumières. Voilà, classe. Par contre, pour manger, il va falloir revenir bien dans ta cuisine. Allez, je vais te chercher ça. Et voilà, pendant que notre robot fait le ménage, moi j'ai fait le petit-déj. Mmh. Tiens, Athéna, regarde, en plus, t'as un joli mug. Calice aussi a un joli mug de My Hero Academia. Shiba Donut. Et toi, t'as un joli mug avec un petit Shiba et un donut autour du cou. Et regarde, j'ai mis une petite céréale ici. Tu veux une petite cuillère? Oui, je veux bien. D'accord, je vais chercher ça. Ça y est, j'ai ta petite cuillère que je t'amène dans mon mug. Voilà, véritable youtubeur. Les autres font semblant. C'est de l'humour, bien sûr. Ce sont des petites phrases humoristiques. Voilà. Bah tiens, Athéna, ta cuillère. Et en plus, c'est des céréales comme t'aimes bien, c'est des céréales saveur Oreo, ouais, cookies and cream. Bon appétit, donc toi, t'as commencé ton activité directe avec la tablette. Eh ben, ça promet, parce que dans ce challenge, c'est activité au choix. Ça, vous allez vraiment voir ce que font Calice et Athéna quand elles ont le choix. Il y en a qui lisent, il y en a qui font de la tablette et de la Switch. Bon, bah, à tout à l'heure. Bon appétit. Alors, Athéna, t'as pas bougé hein, depuis ce matin. T'as fait quoi comme activité? T'as fait que de la tablette. Et t'as fait quoi? Que Roblox? Ouais. Oh, incroyable. Ça fait 3 heures que t'es dessus. Faut faire des petites pauses, hein. Hein, dès que je vous donne le feu vert, que je vous donne libre cours à votre imagination pour les activités, bah c'est tablette. Est-ce que t'as faim? Oui. Eh bien, je vais te chercher ça maintenant. Tu vas faire une pause, s'il te plaît, pour manger, d'accord? Ah oui, allez go. Et regarde Athéna. Regarde ça comme c'est beau. Des soucis. Avec une de la santé. D'eau. De la petite sauce. Et petite sauce. Voilà. Et pause complète hein. Attention, pas de tablette. J'y vais revenir dans quelques minutes pour voir. Bon appétit. Merci. Et Calice aussi, regardez. Calice. Coucou. Coucou. Oh, manger. Alors, qu'est-ce que t'as fait ce matin? J'ai fait un peu de print, j'ai fait un peu de devoir, j'ai fait un peu de dessin. Ah, t'as dessiné sur quoi? À la tablette. Bon, bah c'est bien. J'ai l'impression que t'as fait plus de switch que de devoir, mais bon. Là, cet après-midi, peut-être. Attends, je vais te chercher aussi à boire. Et voilà. Merci. Bon appétit. Et merci. À tout à l'heure pour tout le dessert. T'as l'air. Chouchi, chouchi. Chut. Attention, je vais regarder si Athéna
C'est parti, 3, 2, 1. J'espère qu'elle a pas la tablette. Oh, je t'ai vu griller. Fais voir. Tu vois, t'es en train de faire de la tablette. Allez, on fait la pause pour manger, j'ai dit. Je reviens dans quelques secondes pour vérifier. Ma chaîne principale. En vrai, tu vois, moi, c'est ma chaîne secondaire. Tu rigoles, j'entends. Allez, où la pause? T'as pas fait de pause. Allez, on fait une pause. C'est pas vrai. La prochaine fois, c'est moi qui referai les activités. Voilà. Elle est là. Elle est où? Elle est là. Je te vois pas. Mais non, je te vois pas. Ah, oh, allez, bon. Elle est là. T'as bien mangé, Athéna? Oui. On va déjà retourner en bas. Donc pas de dessert alors? Si. C'est en t'entendant, je me suis dit, je vais me mettre dans le lit. Ok. Alors Athéna, ah bah t'es remontée. T'es remontée pour le dessert. Eh bien regarde, après ce matin les céréales cookies and cream, eh bien cette fois tu as un nuit cookies and cream. Tu l'as pas goûté celui-là encore? Non. Ils vont dire les nouvelles, j'ai pas goûté non plus. Calice, ça veut pas de dessert. Et toi, tu vas faire quoi après? Non, pas de la tablette. Elle est bonne? Ok, bah écoute, je te souhaite une bonne nuit. A tout à l'heure, je ramène ça. Alors, du côté de chez Calice qui ne voulait pas de dessert, tu me disais. Je vais quand même récupérer ton assiette. C'est quoi ton activité de l'après-midi? Je vais dessiner là. Ah oui, perspective. C'est dans la vidéo d'avant que je vais montrer ton magnifique dessin sur les perspectives. Très bien. Bon, bah tout à l'heure alors. Parce que Athéna, son activité, c'est de faire tablette. Oui. Bon, à tout à l'heure. Tadam ! À l'approche du goûter, t'es encore avec la tablette. C'est pas possible. Faut faire des pauses. Faut lire. Faire des devoirs. T'as pas de devoirs en plus à faire, mais faut faire quelque chose. Faut faire du dessin. De l'écriture. Et t'as faim pour un goûter ou pas? Ok, je vais te chercher un goûter. Ouais. Je sais pas si tu mérites, hein. En même temps, si tu mérites, parce que le challenge est largement relevé pour l'instant. Et je t'ai donné, eh bien, libre cours pour l'activité. T'as fait ta bête. Tant pis pour moi. Ah là là, c'est trop beau cette cabane. Alors, du côté de chez Calice. Elle est où? Elle est là. Calice, alors tu fais quoi? Je lis pour l'école. Oh, bah c'est bien, mais toi, moi, tu fais des activités diverses et variées, contrairement à ta sœur. C'est l'heure du goûter. Est-ce que tu veux un goûter? Ouais. D'accord. Comme t'avais pas pris de dessert, soit t'as un goûter style Lyon, ou Twix, ou alors une glace. Tout à l'heure, il y avait une glace, une glace nuit. À quoi? Cookie and cream. Genre Oreo, quoi. T'as jamais goûté ça? Tu veux ça en goûter? Tu veux goûter ça au goûter? Ok, allez, c'est parti. Okay. Petit goûter. Twix. T'es où? Je veux où tu es à chaque fois. T'as raison. Hop, voilà. Et maintenant, t'aimes le caramel, hein? Parce que normalement, on n'arrête pas de dire que t'aimes pas le caramel. Là, c'est du truc au caramel beurre salé en plus. Et tu kiffes. On a fait le test sur Studio Babette Food. Voilà, je pense que la vidéo sera en ligne quand tu auras cette vidéo là. Donc allez voir la vidéo. Bon appétit, bon goûter. Oh, tu fais de la tablette, ça change. Mais Calice, ça fait plein de trucs différents. Et toi, tu fais que tablette. Bon, allez, je vais voir Calice maintenant avec son goûter. Et comme Calice ne l'a pas eu au dessert, eh bien, Calice, voici ton goûter. Oui. Je te souhaite une bonne nuit. Merci. Non. Oh là là, le jeu de mots que j'ai déjà fait, Athéna, c'est pour longtemps. Bon, non mais tu me diras si c'est bon. D'accord. Athéna a bien aimé. Allez, bon goûter. Merci. Et mine de rien, c'est le dernier repas de ces 24 heures. Ah bah ouais. Ouais, et après on se dirige tranquillement vers la conclusion. Alors, Calice, c'est comment cette glace nuit? C'est pas ouf. C'est pas ouf? Non. Bon, ok. Bah voilà, on a l'avis de Calice. Tu préfères les autres? Ouais. On adore celles qui sont au sirop d'érable. Sirop d'érable, vanille aussi, elles sont bonnes. Bon, ça marche.
J'ai pas encore goûté, moi j'ai soif de goûter je sais pas quand. Bon bah tout à l'heure pour la fin. À tout à l'heure. De voir ce que tu vas faire jusqu'à la fin, il reste encore quand même plus de 2 heures, hein. Ah. 3 heures presque d'ailleurs. Donc encore 3 heures d'activité avant de sortir de ta cabane en couverture. Ok. C'est pas trop dur ? Ça va. Bon. Allez, dernier tour d'activité avant d'atteindre les 24 heures. Je suppose que Athéna est en train de faire de la tablette. Oh, bah tu me fais plaisir. Tu lis une BD ? Échec et Pat, en plus c'est le tome 2. Il est sorti en janvier, hein, mais j'ai toujours pas eu le temps de le lire. J'ai adoré le premier tome. Ah, faut que je lise. En plus, tu fais des échecs toutes les semaines, Athéna. Tu joues aux échecs. Eh bien, il est bien. Oh, elle est plongée dedans. Oh, bah je suis très content. Bravo. Bon, je vais faire un petit tour côté de chez Calice pour voir quelle est son activité de fin de challenge. Et Calice, un petit peu de tablette. C'est quoi? C'est du divertissement? C'est pour le boulot? Non, c'est Discord. Et tu fais quoi? Je prépare un truc. Ah bon? Oui. Et c'est quoi? C'est un serveur pour nous et les abonnés. Ah oui, tu m'as expliqué? Oui. Pour jouer? Ouais. Ah, elle a plein d'idées, Calice. Et elle prépare un truc sur Discord pour pouvoir jouer à je sais plus quel jeu d'ailleurs. N'importe quoi, voilà. Peut-être qu'il faudra qu'on mette quand même l'info sur Insta. Ouais. On verra ça quand ça sera prêt. Voilà. Bon, bah, ok, super. On arrive bientôt à la fin du challenge. Tu sais qu'Athéna est en train de lire une BD? Ah bon? Elle a fait pas de la tablette? Je suis trop content. Mais tu fais quoi? Rien, je le lis. Mais tu fais quoi? Mais je lis! Laisse-moi lire! D'accord, je te laisse lire. Moi, je dis qu'il y a anguille sous roche, hein. Il y a baleine sous gravillon, hein. Quoi? Rien. Laisse-moi lire. Tu m'énerves, hein. Bon, ok. Bon, bah, je te laisse lire. À tout à l'heure pour la suite, Athéna. Je t'ai entendu, je t'ai écouté, j'ai vu qu'il y avait de la tablette. Mais non, je lis. J'ai entendu, Athéna. Mais c'est pas la BD qui fait du bruit, qui parle. Mais je lis, j'ai le droit de parler aussi. T'es une coquine. Mais j'ai le droit de parler aussi. C'est activité libre, hein. Mais y'a rien. J'entends des voix, comme Jeanne d'Arc. Bon, dites-moi en commentaire si vous pensez qu'Athéna est en train de lire sa BD ou s'il y avait une tablette cachée. Est-ce qu'il y avait baleine sous gravillon? Est-ce qu'il y avait anguille sous roche? Donnez votre avis en commentaire. Ça, c'est un petit peu le mystère de cette vidéo. Ça restera mystérieux jusqu'au bout, peut-être. En tout cas, j'ai le plaisir de t'annoncer, Athéna, que les 24 heures sont passées. Oh. Et ce qui est intéressant, c'est que tu lis cette BD depuis 1 heure à la même page. Bon, je ne sais pas, hein. Je sais pas si c'est exactement la même page, mais en tout cas, pour lire non, une BD... Non, c'est la page suivante. Ah bon, c'est une page en 1 heure. Bon, mais c'est normal, faut qu'elle le lit plusieurs fois parce qu'elle adore. Non, il y a certainement pas de tablette dans le coin. C'est pas le genre. Mm-mm. Bon, bah bravo Athéna, t'as aimé ce challenge? Oui. Oui, je suis sûr que tu vas vouloir rester encore, dis donc. Oui. Oui, c'est bah, super ta cabane. Franchement, avec toutes ces petites lumières, on se croirait dans Stranger Things. Tu connais pas cette série, c'est normal. Non. C'est un peu jeune. Mais ça fait penser à ça. Bon, bah bravo. Je vais aller voir Calice aussi pour conclure. Mm-hmm. Je te fais un gros bisou si tu veux nous rejoindre, il n'y a pas de problème. Non. Tu restes là, oui. Ça marche. Mais gros bisous et à très vite pour une prochaine vidéo, Athéna. Merci. Allez, merci. Bisous. Hop, et Calice, ça y est, c'est fini. Tu as franchi les 24 heures. Oui. Challenge 24 heures dans ta magnifique cabane en couverture. Oh, t'étais bien, toi, hein. Une table, tout ce qu'il faut, plein d'activités diverses et variées. Bras,
Vos. Bon, bah, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous laissez un petit pouce en l'air, partagez, commentez, abonnez-vous. On se retrouve très vite sur Studio Bubble Tea. Tu vas rester encore dans la cabane, tu vas la défaire. Qu'est-ce que tu vas faire? Je reste là. C'est vrai, tu la gardes encore un peu? Ouais. C'est la flemme de la défaire. Aussi. En fait. Non, puis t'es bien, hein. Elle est cachée du monde. Ouais, t'es bien comme ça. Hein, dans sa petite bulle. Ok, bon, bah, à très vite sur Studio Bubble Tea. Et puis, plein de gros bisous. On vous love. Bisous, et bisous. Plein de bisous. Abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas, soyez vous. Soyez bien. Soyez bon. Et...